Voilà Paul, aujourd'hui le Grand Prix de Denain, un parcours avec du vent, des pavés, avec une liste des partants assez ouverte, donc pourquoi pas créer la sensation aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que la course est pas mal ouverte avec une belle start list, mais ouverte comme vous l'avez dit. Et ça peut créer la surprise au sprint, c'est sûr, mais du fait de la course ouverte, ça peut aussi être une course totalement décousue. Donc voilà, je pense qu'il faut s'attendre à tout. Il y a aussi beaucoup de pavés, bien plus que sur les éditions précédentes. Donc ça sera aussi à prendre en compte. Et voilà, si tout passe sans encombre, on espère tous faire un beau résultat. Ouais. Pardon. On l'a vu hier sur la Nokere course, la FDJ justement était bien avec Pitti notamment. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose à faire hein, en adoptant le même comportement que hier. Ouais, exactement, c'est pour ça que je parle pas trop de sprint. L'équipe est super en forme hier. Moi j'étais pas là hier à Nokere, mais on a tous vu que voilà, l'équipe de jeunes marchait bien et qu'on était tous offensifs. Donc il y a vraiment quelque chose de beau à faire tous ensemble et on verra ce que ça donne à la fin des secteurs pavés et on pourra faire le compte à la fin mais je pense qu'il y a une belle carte à jouer avec toute l'équipe. Ouais. Et pour vous personnellement, ces premières semaines, ça a l'air de bien se passer. On vous a vu en tout début de saison en Australie directement trouver vos marques. Hein. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Après, il manque encore un petit quelque chose pour aller gagner. Mais voilà, j'espère qu'avec l'entraînement ces dernières semaines et les courses qui s'accumulent, ça devrait bien se passer dans les prochaines semaines. Et j'espère. Merci.